pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. J'ai déjà des artisans. Il faut d'abord que j'aille au niveau du tailleur. Donc petite ellipse, le temps que j'en trouve un. Donc voilà, on se retrouve avec Bud Buddy, donc qui est une bonne amie à quelqu'un de la guilde, à Lace, qui a déjà eu son droit à sa dédicace. Alors Minotauro. Non, ça n'a pas l'air de vouloir. Si, voilà, Minotauro. Normalement, il manque rien du tout. Nickel. Je vais lui demander combien par item. On verra bien. J'espère que ça. Que c'est pas non plus super cher. 50 000, je râle pas. Au-dessus de 50 000, je râle. Alors, ma petite Belly. Bon, on va mettre 50 000. Sérieux, bon, bah non, il veut pas. Bah nickel alors. Alors, une coiffe Minotauro. Ensuite, parce que j'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Xe, elle est déjà partie, j'ai pas fini. Je lui demander si la cape est pas finie. Elle a l'air pressée. Alors voilà, c'est bon. Elle a juste changé d'atelier. Alors, c'est toujours du Minotauro. Alors, il y a de la cape du Minotauro. Si je me trompe pas, voilà. On va fusionner. Allez, fusionne. Hop, elle a pas mis sa petite rune de signature. Nickel. Et on va faire. Ah mince, attends, il manque quelque chose. C'était quoi qu'il fallait qu'on fasse? Ah oui, l'amulette. Non, faut que j'aille chez le bijoutier. Oui, voilà. Sinon, ici, on a tout fini. Bah, nickel. Bon, du coup, on a trouvé un bijoutier, mais je me suis rendu compte qu'en craftant les items Minotauro, eh bien, tout simplement, on avait oublié de... Bon, 10 000 kamas, ça va, c'est pas cher. J'avais pas pris en compte quelque chose, c'est que les items Minotauro prenaient en même temps aussi les ressources des amulettes. Donc, on va lui dire merci. Donc, du coup, il faut que je retourne à la banque, voir si on a de quoi faire les amulettes. En même temps, on va reprendre et bien tout simplement quelques items à crafter. Alors, normalement, ça devrait être assez rapide vu qu'on a déjà fait tout ce qui était cap et coiffe assez intéressante. Sachant qu'on peut faire vraiment pas mal de choses. Hein. Là, le but, c'est vraiment essayer de vider un maximum. Recettes possibles, on avait dit 2 et c'était bijoutier et c'était même dans les amulettes. Alors, bijoutier, oui, voilà. Hop là. Donne-moi les ressources qu'il faut. Il manquait quoi, du coup? Tu penses qu'on aura tout ce qu'il faudra? 1, 2, oui. Ah non, il va manquer de la laine de Minotauro. J'en ai que 3 et il en faut 5 pour chaque amulette. Sinon, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, c'est plutôt pas mal. Sinon, on va éviter de refaire du truc de Minotauro. On va repasser sur du plus simple. Il nous faudra une poignée de gourgouille aussi, prix moyen 82 000. Il faudrait que je trouve une feuille pour noter. Feuille. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait? On irait faire tous les achats après. Alors, il nous faudrait une... Ah, nickel. J'ai trouvé un crayon qui marche. Ce qui est assez rare. Ah, non, il marche pas. Ce qui est assez rare sur mon bureau. Alors, une poignée de gourgouille. De gorgouille, voilà. Et ensuite, il nous faut exactement 5, 6, 7, 8. Il nous faut 8 laines de Minotauro. 8 laines de Minotauro, voilà.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et qui change un peu? On a l'amulette d'Olin. Oui, ça c'est possible de prendre. Il nous faut deux galets-boukakés aussi. Donc deux galets-boukakés. Boucanés du moins. Voilà, donc on va prendre ça. Hop. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on peut encore en faire une autre, vous pensez? J'ai assez de ressources pour en faire une autre. On va faire max. Je peux en faire 5, tu sais. Normal. C'est la base, t'as vu? Je peux en faire 5, ma gueule. Bah ok, on va aller en faire 5. Par contre, au niveau des galets boucanés, ça va être cher, hein. Va en falloir prendre, ça fait 2 fois 6. Donc il m'en faut 12. C'est 12 qu'il faut des galets boucanés. Oh bah c'est poseille ça, ça va faire masse de camas. Et ouais ma gueule. Alors, au sinon, tailleur, on avait déjà fait, y a pas... Bon, on va prendre aussi... La coiffe du Tinryl, rien à foutre. On va faire le max. T'es sérieux qu'on peut en faire 6 aussi? Ou c'est une blagounette? Ah non, je peux pas en faire 6. Bah je sais pas. Ça m'a pris les ressources, mais pas pour 6 en tout cas. Ça c'est ok. Crinière fleurie. J'en ai. Ah oui, non, j'ai pas les ressources pour en fait. C'est pas toutes les ressources qui sont disponibles, d'accord. Donc il faut faire gaffe, le truc il est pas très très fiable non plus. Donc du coup il me faudrait 3 étoffes de mopettes. 3 mopettes. Et une rune gappa. Et une rune gappa. D'accord. Oh sinon, au niveau du cordonnier, qu'est-ce qui était assez intéressant? Ah oui voilà, les bottes du Tengu Girofux. Ici, je peux en faire 4 apparemment, mais on va faire qu'une. Ne soyons pas trop gourmands. J'ai toutes les ressources. Il me manque donc 31 canines de Camille. 31 Camille. Et un galet brésilien, d'accord. Qu'on pourra échanger avec nos colisétons de toute façon. Sinon, qu'est-ce qui peut être intéressant ici? Je regarde vite fait, voir s'il n'y a pas des trucs que j'ai oubliés qui pourraient être cool. Au niveau des bottes. Bon, c'est déjà pas mal. Au niveau des forgeurs d'épée, tiens, au niveau des corps à corps, qu'est-ce que je peux crafter? Rien de très intéressant. Au niveau des boucliers, je peux crafter pas mal de trophées. Un bouclier ventail, ça coûte combien ça? Ça coûte 361 000. Au niveau des boucliers, non, on va laisser tomber les boucliers, c'est vraiment trop rare comme artisan. Au niveau des dagues, rien d'intéressant. Au niveau des haches, je sais pas ce qui se vend le mieux quand même, donc on va éviter d'en crafter. Au niveau des marteaux, on a un marteau vigie qui peut être crafté, mais pareil, là c'est... C'est pas ce qui se vend le mieux et c'est pas le moins cher, c'est pas ce qui se vend le plus cher surtout. Au niveau des pelles, ça m'étonnerait qu'on ait quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est ce que je disais. Au niveau des sculpteurs d'arc, on fait un tour. Au niveau des arcs, y a rien de cool. Au niveau des baguettes, y a un temps où je crois que je pouvais crafter quand même des trucs assez intéressants. La baguette Nolog par exemple, ici 2,5 millions, juste un galet, juste des sphéroïdes de Kimbo. Ouais, pourquoi pas. Max 5, ok, non, je peux en faire qu'une, je pense. J'ai ce qu'il faut là. Ouais, apparemment, j'ai ce qu'il faut, c'est pas mal. Et sculpteur de bâton, on a un Grésilospect qu'on peut crafter. Grésilospect, ça. Par contre, c'est super cher le Grésil au spectre. Hein, parce que c'est 3 galets à cajou. C'est quand même assez énorme. Donc, on va éviter de faire un bâton. à ce niveau-là, la coiffe de Tinryl, c'est bon. Bon, on va déjà crafter tout ça. Donc, petite ellipse encore. Et je pense que. Je sais pas combien on est. Bon, on est quand même à 25 minutes. Donc, on va voir.
Oui, merde, j'ai dit que j'allais crafter, mais en fait, j'avais complètement oublié ma fiche de ressources à acheter, donc je vais faire ça avec vous. Alors, il me fallait une poignée de gorgouille. Donc, poignée, normalement, on devrait assez trouver facilement. Une poignée de gorgouille, voilà. Ensuite, 12 galets boucanés, 8 laines de Minotaure. Minoto. Alors, les laines de Minotaure, ça se trouve où? On va en acheter 10 vu que ça coûte vraiment que dalle. 3 meufettes. 3 étoffes de meufettes. Je sais pas si ça s'écrit comme. Mince, pourquoi j'ai mis 3? C'est meufettes. Alors, non, c'est pas des meufettes, c'est des mopettes. Et, oula, il y en a pas en HDV. Oula, je vais pas pouvoir crafter ma coiffe d'itinérile tout de suite. Oula, vilain. Pas grave. Ensuite, il nous fallait 31 canines de Camille, je crois. Ça s'appelle Camille. Incisive de Camille, voilà. Il n'y en a pas en HDV non plus? Foutage de gueule. Oh non! Bon, pas grave. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver plus tard. Par contre, il m'en faut 7 de comme ça. Donc, je vais en acheter 7. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merde, j'en ai pris 8. Pas grave. Tant pis! On s'en bat les couilles! Et donc, du coup, il nous faut quand même pas mal de galets boucanés. Donc, ça, je crois que c'est quand même un endroit assez précis. Qui est l'almanax, je crois que ça se vend là. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Allons voir. Alors, achetez, s'il vous plaît. Il me faudrait des galets boucanés. Non, donc c'est pas ça. Donc c'est peut-être les Doppel. Il y a tellement de galets différents maintenant qu'en fait on n'arrive même plus à savoir chez qui faut acheter parce qu'il y a 9 galets différents. Alors, galets boucanés, est-ce que c'est chez toi? Ah, galets boucanés. Ah, il m'en faut 12. J'ai pas assez de plans. Non! Bon, pas, on va faire quand même pas mal d'économies en achetant 6 ici directement. Voilà, au moins ça c'est fait. On peut aller quand même, je pense, en acheter. Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est à propos de rappel. On va aller en acheter au massif de Cagna. Massif de Cagna. Massif, massif, massif. Voilà, massif de Cagna. Et ensuite, on ira crafter tout ça. Et je pense qu'on pourra se laisser là une fois qu'on aura crafté tout ça. Même si on n'a pas eu les bottes de. Même s'il nous manque quand même pas mal de choses. Peut-être un petit tour sur la place du village avant. On verra bien. Je verrai comment je vais faire mon truc. Alors. Oh, bah 65 000, ça va. Alors, 6, 7, 8, 9. On va en prendre 10. On verra bien ce qu'il nous reste après. On va en prendre 10. Et. Petit tour sur la map village, petite ellipse donc. Ok, donc on a trouvé. Donc j'ai rien trouvé au niveau des meupettes et des incisives de Camille. Donc au pire, on fera ça dans un autre Goulthard le clochard. Par contre, j'ai trouvé un artisan pour mes amulettes Minotaure qui sont ici. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc on va pouvoir en faire deux. On va lui filer 25 000 kama. On va fusionner en espérant qu'elle ne râle pas sur sa récompense de bijoutier de 25 000 kama à peine. Alors, accepte. Accepte. Alfourbe, il met ça. Allez, on fusionne. Ah, oh, 35 000 kama, il est cher. Par rapport à l'autre qui m'a fait payer. Allez, hop, on fusionne. Nickel. Alors ensuite, Doline. Nos petites amulettes Doline. Combien on va pouvoir en faire? Maximum. Ah, on va pouvoir qu'en faire qu'une. Non. Pourquoi on peut en faire qu'une? Je croyais qu'on pouvait en faire plein, 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 plein. 53. Ah, on n'avait pas assez de ressources. Bon, bah du coup, je me suis fait baiser avec mes galets boucaqués. J'ai fait vraiment le con, j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, merde, c'est vrai qu'il faut encore payer. 15 000 kama, voilà, hop, validé. On fusionne tout ça. Fusionner. Voilà, ensuite.
Bon, donc voilà. Sur cette séquence de plusieurs fails, bon, le système est assez dur à comprendre. Faut encore que vous ayez toutes vos ressources en HDV, en HDV, etc. Bon, en tout cas, vous avez compris le système. Moi aussi, du coup, j'ai réussi à faire 6 items, sachant que voilà, je vais en faire sûrement hors ligne, puisque vous voyez que 6 items, ça m'a quand même pris une bonne demi-heure à faire tout ça. J'ai dépensé à peu près un bon million de kamas. Donc du coup, faut juste espérer qu'on ait... Voilà, vous voyez, ça coûte 550 000 ici. Donc on va mettre au même prix. Donc vous voyez déjà, rien qu'avec les deux amus, on a remonté la pente. Au niveau des amulettes d'Olin, ça coûte 250 000. Moi, je vais la mettre à 300 000 parce qu'il n'y a pas de respect. Voilà, au niveau de l'amulette Gorgouille, ça se vend 194 000, on va la mettre à 200 000. Donc vous voyez déjà qu'à rien qu'avec les deux colliers du Minotaure, j'ai réussi à faire un bénéfice, hein. Et du coup, bah, il nous reste que les deux items du Minotaure à mettre en vente, qui sont ici, voilà. Nickel, on va les mettre en vente. Hop. Par contre, au niveau des G, j'y connais rien du tout, pour vous dire. Donc on va regarder un petit coup. On va regarder ça. Minotaure, 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 Minotaure. Hop, ici. Voilà. 450 000. Ah ouais, la mienne n'a pas beaucoup de vita, donc ça sera pas beaucoup plus que 450 000. Et le chapeau. Le chapeau normalement coûte plus cher déjà. C'est déjà plus dur apparemment à crafter d'après ce que j'ai vu. La coiffe du Tinryn m'aurait rapporté. Ah non, c'est beaucoup moins cher que ce que je pensais, vous voyez. Mais quand même, ça vaut le coup de la crafter, vu que ça va coûter peut-être 100 000 kamas à tout acheter. Et ça me fera un bénéfice quand même de 350 000. Donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la coiffe du Minotaure, ça se fait aussi autour de 500 000. La mienne, elle monte à 203 de vitalité. C'est pas beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de chance sur mes Gévita. C'est vrai. Mais bon, on va les mettre à 450 et 450. Et puis, elles partiront quand elles auront besoin de partir, j'ai envie de dire. C'est pas non plus... C'est pas non plus super important. On va la mettre à 450 000 ici. Puis bon, vous voyez que j'ai fait un joli petit bénéfice de 2,5 millions. Donc c'est toujours ça en supplément et ça fait toujours plaisir. Donc en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde et n'hésitez pas à vider vos bourses.